Les spectateurs ont rarement vu Anna Girardot dans un tel rôle. Elle qui est d'habitude évanescente, pure, solaire, tournant même parfois sa personnalité en autodérision, dans la série La Flamme, incarne un personnage bien plus brut, écorché dans le film La Maison d'Anissa Bonnefond. Dans cette adaptation du livre d'Emma Becker, la comédienne joue une prostituée qui évolue dans un bordel berlinois. Dure besogne pour l'actrice de 34 ans, qui scène est pourtant sortie comme une chef. Chaque scène de sexe était un saut dans le vide, je ne me connaissais pas cet aplomb, explique Anna Girardot dans les colonnes du journal Libération. Chaque scène de sexe était un saut dans le vide. Je ne regardais plus le scénario. Il fallait que je sois capable de prendre la main d'un homme pour le guider et l'aider à faire les bons gestes, comme de rassurer les acteurs qui devaient se mettre à nu eux aussi. Il faut dire qu'Emma, la fameuse prostituée, a mené une vie radicalement opposée à celle de l'actrice. Loin des plateaux de tournage, elle mène une vie tranquille avec mari, maison, mais pas close, et enfants.